Je m'appelle Mathéo Jacquemou, aujourd'hui je suis guide haute montagne et j'entraîne les équipes de France jeunes de ski alpinisme. Et donc j'habite juste à côté sur Saint-Nicolas-de-Véros. Donc je suis avec Scarpa depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé avec eux sur les circuits de compétition de ski alpinisme. Et maintenant je travaille plus sur le développement et sur un peu toutes les chaussures, de l'alpinisme au ski de rando traditionnel. Donc, j'utilise majoritairement l'Alien RS, qui est une chaussure que j'attendais depuis longtemps maintenant. C'est une super chaussure pour moi parce qu'elle est autant efficace à la montée qu'à la descente. Donc c'est un super compromis. Avant on avait soit des chaussures juste pour monter, c'était léger, mais on avait un peu froid dedans et c'était moins rigide à la descente et c'était une moins bonne stabilité. Et maintenant avec l'Alien RS, on peut vraiment allier les deux et se faire plaisir autant en montée qu'en descente. Donc. En montée, c'est une chaussure qui est quand même assez légère, voire très légère, qui fait à peu près entre 800 et 900 grammes suivant les tailles. La chaussure, donc la légèreté d'abord, et puis ensuite le débattement, qui est pour moi super important en montée. C'est très agréable d'avoir une chaussure avec un débattement qui permet d'avoir toute la flexion de la cheville, et donc de pouvoir glisser sur les skis au lieu de marcher. Donc pour ça, c'est super positif. La LNRS, donc, elle permet de cramponner des tout types de crampons, des crampons semi-auto ou automatiques, et aussi complètement à lanière. Et c'est vrai que c'est un gros plus pour pouvoir aller en haute montagne et pour pouvoir passer des arêtes et des couloirs. Dernier point qui est vraiment important, c'est l'étanchéité de la chaussure. C'est vrai qu'avant, avoir une chaussure légère, et ça voulait dire avec un gros débattement, ça voulait dire une chaussure qui n'était pas forcément très étanche et pas forcément chaude. Et là, avec la LNRS, eh ben, on peut rester toute une journée en montagne et avoir le pied au sec. La descente, elle est vraiment top parce qu'elle est super précise dans le sens où le fitting il est vraiment taillé assez étroit. Du coup, on peut vraiment transmettre tous nos appuis au ski. Et on ressent vraiment une bonne stabilité avec ça et en même temps une bonne rigidité avec le polygraminé qui est une matière qui est du plastique mais un peu différent du plastique carbone. Pour moi c'est vraiment l'arme pour la personne qui veut profiter de la montagne d'une manière assez rapide et en même temps vraiment une chaussure efficace tant à la montée qu'à la descente et profiter aussi de manière un peu alpinisme.